L'actrice Delphine Serina, connue pour ses rôles dans les séries Avocat et Associé et ainsi Grand Soleil, est morte à l'âge de 49 ans. Les causes de son décès ont été révélées. C'est un visage que les téléspectateurs français connaissent depuis près de deux décennies. L'actrice Delphine Serina a enchaîné les seconds rôles dans les séries françaises grand public. La comédienne est morte à l'âge de 49 ans comme l'a annoncé son agent Daniel Guin à l'AFP le dimanche 19 avril. Elle a été emportée par une longue maladie. Son dernier rôle était celui de Bérénice Paré, la co-directrice de la société Sky et 34 dans le feuilleton de France 2, ainsi Grand Soleil. Sur son compte Instagram, elle avait partagé une photo complice avec son partenaire de jeu François-Dominique Blin en juin 2019. Delphine Serina est également connue pour avoir enfilé la robe noire d'avocate d'Elisabeth Vieilleville dans la série Avocat et Associés. Elle a interprété ce personnage pendant 5 saisons de 2004 à 2010. L'actrice est apparue dans de nombreuses fictions de télévision françaises comme Les Incontournables Commissaires Moulin, Une Famille Formidable, Joséphine, Ange Gardien, Sœur Thérèse.com ou encore Section de Recherche. Plus récemment, elle a joué dans un épisode de la série policière Cassandre. Les fans de Plus belle la vie connaissent aussi son visage. Elle a participé au début de l'aventure lors de la saison 1. Son personnage Astrid était revenu lors d'un prime time en 2014. Delphine Serina a donné la réplique à Alain Delon. Formée à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, INSAT, Delphine Serina s'est distinguée sur les planches et a eu le privilège de partager l'affiche de pièces de théâtre avec des comédiens de prestige comme Alain Delon, Claudia Cardinal ou encore Francis Huster. La télévision ne lui a pas fermé les portes du cinéma. Elle a joué dans Les Menteurs d'Élie Chouraki en 1996, Tanguy d'Étienne Châtelier, 2001, et Monsieur Je sais tout, 2018.